waiting. Waiting? I can't believe how stupid you are. I'm going to talk to him face to face. Keith? What's that? Lambert ordered some stew. Give it to him. Mr. Mayor. Ah, keep that. Avancez pas plus. Qu'est-ce que vous avez là-dedans? Supper. Ouvre pour voir. Vérifie. Vous allez le goûter avant moi, Monsieur Rochon. What? Faites pas comme si vous compreniez pas le français. J'ai dit en français. Goûtez d'abord. Hein? Tell me, Gilbert, you weren't stupid enough to doctor his chew, were you? No. For once, I wasn't stupid enough. Thank you. It's delicious. Jesus. What the hell is that? C'est comme tu vois, mon garçon. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Je veux être certain de me faire entendre. The old man has a bomb. You're really crazy, Lambert. Qu'est-ce que tu dis, Rochon? J'ai pas compris. Je dis que t'es dérangé. Dérangeant? Je veux une résolution du conseil de ville pour avoir les programmes français. That's all? Non. Vous allez aussi faire casser votre ordre d'éviction, hein? Je vais mourir dans ma maison de la rue Maple. Ou ici même. À votre choix. Baptiste Lambert, tu ne feras pas marcher à dynamite. On va trouver une façon de te sortir de là. Mr. Mayor, should we call in the SWAT team? Mr. Chief of Police, the officials from the company that bought this damn place have come in from Japan, and they want to see their property. Now, what do you suppose they'll think if the grounds are overrun by the Rhode Island SWAT team? Gilbert, don't do anything. Just buy time. You're good at that. I'll think of something. Mr. Mayor, Frank, I don't want this on the news. I told you. Beat him, move the crowd back. Okay. J'avais 11 ans. Quand j'ai commencé à travailler au moulin ici. Je m'en souviens. C'était en 14, l'année où Abraham Gauthier a été élu maire pour la première fois. Une belle victoire pour notre Abraham. Abraham Lincoln, Abraham Gauthier, des noms prédestinés. Asseyez-vous. Monsieur le maire, ça fait 6 semaines que les hommes passent leur nuit à construire les chars du défilé de la Saint-Jean. C'est merveilleux. Merveilleux, si vous voulez. Mais nous ne savons toujours pas si nous pourrons, une fois encore, célébrer dignement la fête nationale des Canadiens français. Vous n'avez pas encore proclamé officiellement la Saint-Jean, jour férié et chômé, comme vous nous avez promis de le faire durant la campagne électorale. Il reste 5 jours d'ici le 24 juin, monsieur le curé. Ben, je me proposais justement de rencontrer les chefs d'entreprise. Monsieur le maire, il y a 10 ans, les entreprises fermaient leurs portes ce jour-là. C'est une fête de Canadiens français. Nous sommes aux États-Unis ici, c'est pas tout à fait la même chose. C'est votre promesse. C'est pour ça qu'on a voté pour vous. Monsieur? Valmore. Valmore Lambert. Merveilleux. Valmore, mon ami, même si je suis franco comme vous autres, en tant que maire, je représente tout le monde. Les Irlandais, les Anglais puis les Polonais. Il n'y a pas une majorité de Polacs puis d'Irlandais qui vous a mis là. Tiens la laine pour papa. Lève ton doigt dans ta bouche. Enlève ton doigt.
Adieu. Maudit ton lieu de bâtard de Vera, de bon lieu de Charel. Quel gros mot dans la bouche d'une petite couturière. Tu t'arraches les yeux pour rien, Valmore. Il n'y en aura pas de défilé, tu le sais. Les bourgeois veulent pas donner congé. Mais les bourgeois vont être obligés de donner congé. Parce qu'il n'y aura personne à faire tourner les machines. On verra. Travaillerais-tu, toi, le jour de la Saint-Jean? C'est pas péché. Ah ouais, là, ta petite balloune. Fais pas ton frein avec tes deux strikes, Baptiste. Les chars sont prêts, puis le défilé va avoir lieu. C'est notre petit Baptiste qui va incarner notre Saint-Patron. Pourquoi tu mets ces idées-là dans la tête de ce pauvre enfant? Évelyne Lambert, c'est pas des idées. Et ta tête dure, Valmore. Saint-Jean-Baptiste a un petit blond frisé. Qu'est-ce que t'en sais? Tu y étais, je suppose. C'est comme le Christ, ça. Ces images, il a l'air d'une petite fille avec ses grands cheveux blonds. En vérité, c'est un petit juif. Peut-être même un Normand. Crame, là, on va jouer dans ta rue. Les bâtards, ils ont frappé le chien avec un bâton. Ils l'ont assommé. Le grand maudit Irlandais. Ça partout. Chien, chien, viens t'en boucher. Le vois-tu? Oui. Non. Vas-y, ah, chercher tes petits, toi, Luigi. Ah, ouais, rentre. Let's go. C'est ça, rentre. Tu vois? Tu vois-tu? Oui. C'est ça. C'est ça. Oh, c'est petit. Il te sortait la bouche. Tu parles, le bâtard. Je sais pas si ça s'est arrêté. Arrêtez, Baptiste, de penser à ton sabre chien. Tu bouges tout le temps. Voilà que de vous. Ça me gratte. Oh, tes culottes. Non. Mes chers enfants, le 24 juin, l'un de vous sera Saint-Jean-Baptiste, notre Saint-Patron. C'est un honneur qu'il faut accepter modestement, comme l'aurait accepté lui-même le précurseur du Christ. Comme à tous les ans, Saint-Jean-Baptiste sera dans le cœur de l'Église pour la grand-messe, et c'est lui qui bénira la foule durant le défilé. Ton nom? Baptiste Lambert. Baptiste Lambert. Cléophas Larouche. On l'a pas eu. C'est Cléophas Larouche qui va être Saint-Jean-Baptiste. Un petit frisé blond qui a l'air d'une fille. T'as passé l'âge de faire ça? Bonne nuit. Bonne nuit. Où est Je l'ai couché dans l'hangar. Réveille-le pas. Tu pourras te coucher toi aussi. Tu pourras pas te lever demain matin pour aller travailler au moulin. On choisit le seul qui avait même pas de costume. Tout le temps que j'ai mis à aider à construire les chars. Il me semble qu'il aurait pu donner une chance à Baptiste. Son père, avant de te coucher, faudrait que tu nous débarrasses du chien. Je sais pas qu'est-ce qu'il a mangé comme goût, mais il est mort. Ça continue comme ça. Nous autres aussi, on va crever aux étangs. Comme des étrangers. Les étrangers. Ça fait 7 ans qu'on est ici.